et au Premier ministre. J'entends bien qu'il y a pour le droit des raisons particulières qu'à l'installation à Clermont de l'École nationale des Indes. Daniel. Non, je vous en prie, restez assis. Bonjour, madame. Enchantée. Elsa Saint-Ilange. On peut être le meilleur fiscaliste du monde. Si on commet une erreur de procédure, eh bien, on ne peut pas recouvrer derrière. Cette école, elle a un passé, elle a su s'adapter, elle a su se moderniser. J'ai vu d'ailleurs des images intéressantes sur ce qu'était l'école il y a 50 ans. Et j'ai vu en grandeur nature ce qu'elle est aujourd'hui avec des formateurs, formatrices en l'occurrence, et puis des stagiaires, de façon très interactive, même s'il y a l'utilisation de l'ordinateur, des moyens informatiques, il y a aussi ce contact et cet échange qui est tout à fait plaisant. Donc elle a su s'adapter dans un monde qui bouge. Et le message qu'on est venu faire passer avec celles et ceux qui m'accompagnent, notamment le directeur général des finances publiques, c'est qu'elle continuera à le faire. Et si elle continue à s'adapter comme elle l'a toujours fait, elle aura un avenir. Et elle aura un avenir décentralisé. Il m'a pas échappé qu'on n'était pas à Paris et que le maire Clermont-Ferrand apprécie d'avoir une école de dimension nationale dans une ville de province. Et ça contribue à structurer le territoire. Donc c'est important que ça se poursuive. Des fois, c'est le mur qui tombe. Voilà.